Bienvenue dans ce nouveau vlog, dans cette nouvelle aventure. Donc nous sommes en Chine, à Pékin plus exactement. On vient de déposer les affaires dans notre chambre et c'est parti, on va découvrir cette ville et on va commencer avec un temple, ça sera le temple du ciel puisque c'est un temple qui est juste à côté de l'hôtel. Allez, c'est parti, on y va. Ok, donc on est sur la place Tianmen. Donc on a le musée national de Chine qui est là-bas, qui est super intéressant mais qu'on ne va pas faire. On a décidé de ne pas faire. On a le monument du peuple qui est juste là derrière, le mausolée qu'on va aller voir, le mausolée de Mao Zedong. Hello, on y vient de se réveiller. Donc derrière vous avez l'entrée de la cité interdite. Et vous voyez le drapeau, le grand drapeau qui est hissé chaque jour. Donc voili voilou. On a fait un petit peu le tour, on va attaquer la cité interdite. La cité, la fameuse cité interdite qui est gigantesque, que l'on voit juste là. Et bah écoutez, on va y aller. Hein. Il me semble qu'il y a 999 salles. Heureusement qu'elles ne se visitent pas. Mais on va y aller tout doucement, donc on va visiter ça. Et on va terminer par la colline au charbon. Donc depuis la colline, on a une super belle vue normalement sur la cité interdite. Allez, on y va. On arrive au sommet de la colline au charbon. Donc de là-bas, normalement, on a une super belle vue sur la cité interdite qu'on vient de visiter. Donc on va prendre de la hauteur, on y est presque. Ça va, franchement, c'est pas trop... ça monte, il y a beaucoup de marches, mais ça va encore. Ouh, allez. Et moi, j'ai Haroun qui dort ici. Donc nous visitons les hutongs, comme vous pouvez le voir. J'ai plus de batterie. On est dans un pousse-pousse et on visite les hutongs. En gros, c'est le, ce sont tous des petites ruelles. Ce sont des petites ruelles avec des habitations traditionnelles. Dans la rue commerçante, je sais plus c'est quoi le nom, je vous la mettrai, où il y a tous les magasins, bah écoutez, les magasins habituels. On va aller chez Pizza Hut. Donc on a fait un petit tour comme je vous disais juste avant dans les hutongs et on va manger et on va rentrer parce que franchement là on est crevé et on a fait quand même pas mal de choses là aujourd'hui. Donc voilà.
Coucou. Donc on est à Wang Fujing Street. On vient de manger et franchement ça réchauffe. Pizza et une bonne soupe aux champignons. Donc du coup, de nouveau là, on allait rentrer mais finalement ça nous a réchauffé. Donc on s'est dit allez, on va quand même faire cette rue. Donc c'est la rue shopping. C'est la rue vraiment shopping de... Donc on est dans la rue piétonne là ici de Pékin. Ça a été une journée longue hein, aujourd'hui. Franchement, on a fait quand même pas mal de choses. On a beaucoup marché. Et alors, bon, on a investi la dernière fois. Lorsqu'on est allé en France, on a investi dans des chaussures de marche. Et je vous assure que j'ai mal aux chevilles, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. Et je pense que demain, je vais mettre mes Converse. Je sais pas, parce que demain, on risque de faire la muraille de Chine. Donc je me dis peut-être que c'est pas une bonne idée. Mais elles me font trop mal, ces chaussures. Donc voilà, mais sinon, c'est sympa. Franchement, c'est agréable. Il y a beaucoup de monde. Bon, il fait froid, mais c'est sympa. Non, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. C'est vide. Hein. Les sites étaient vides, c'est assez vide. Ah ouais? C'est plus agréable. C'est plus agréable, mais il caille. Après, bon, en même temps, on se voit pas faire ça en été. En été, c'est pas possible, il fait nuit. C'est terrible et c'est la basse saison, donc du coup, c'est vrai que les sites sont beaucoup, beaucoup moins peuplés, fréquentés. Peuplés, fréquentés. On va faire la tour chez Zara. Il y a Mariam qui veut nous faire une danse. On est tombé par hasard sur cette petite rue. Sur une rue avec plein de petites échoppes. Bon, il y a des choses qui sont mangeables, mais il y en a d'autres, mon dieu, comme des scorpions et tout. Non, c'est pas possible. Mais c'est sympa, franchement, ça fait vraiment ambiance. On a l'impression d'être en Chine. Chine ancienne. Voilà, la journée est terminée, on est dans un bus, on sait même pas si on va rentrer à l'hôtel. On n'a plus de batterie dans le téléphone, du coup plus d'internet, on ne sait pas trop où aller. Donc on a demandé à plusieurs personnes et on nous a indiqué ce bus. Donc on s'arrête au prochain, j'espère qu'on va trouver. On a trouvé l'hôtel, yeah, super. Donc voilà. Ouh, un gros dodo, on va prendre une douche. Préparer, voir comment on va organiser la sortie de demain et un gros dodo. J'ai trop mal aux pieds, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, j'ai trop mal aux pieds. Allez, on se retrouve demain pour découvrir la fameuse muraille de Chine. Allez, à demain. Les filles sont en train de dormir. On est dans le bus. Je suis en train d'allaiter Haroun. Et on est dans le bus pour le téléphérique qui va nous ramener à la grande muraille. On est en train de monter. Ouh, il y a une bonne montée avant d'arriver au téléphérique. Allez Rania. Mariam ou Rania? C'est qui ça? Rania. Ça va Raniout? Allez Raniout. Mariam, ça va? Allez, on y va. Ouh. On voit le téléphérique, il est derrière. Thank you. Ok, donc vous avez le choix en gros ici, Great Wall, pour aller à pied. Nous on va prendre le câble. Non pas qu'on est des fainéants, mais tout simplement parce que avec les filles c'est juste la solution la plus pratique. Comme ça on économise nos forces, elles pourront marcher plus longtemps en haut. Allez Raniout. Alors ce qui est sympa c'est que vous voyez c'est accessible pour les personnes handicapées. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait. C'est spectaculaire. Surtout vu d'en haut. Et on va vous montrer ça avec le drone. Allez c'est parti, on y va. Bon comme vous pouvez le voir il y a quasiment personne. Donc c'est assez vide. C'est vraiment
C'est vraiment sympa. Ça y est, on est sur la grande muraille de Chine. C'est magnifique. Je crois que c'est l'un des lieux les plus spectaculaires qu'on a pu voir. C'est impressionnant de s'imaginer que ce sont des hommes qui ont construit cet ouvrage. C'est juste dingue. Dingue. Sur des milliers de kilomètres en plus. Waouh. On est où? Muraille de Chine. Et il n'y a personne. Là, c'est du sport pour le coup.